Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Book of Rules. On misclique en cliquant n'importe où. Et on devait commencer notre nouvelle journée. Alors il fallait qu'on jette un petit peu de trucs à la mer pour générer un souvenir qui va nous permettre de monter de niveau. En fait on pourra le faire pour ces deux-là, donc c'est parfait. Bonne fin de live, bon après-midi à tous. Bon après-midi Falsag, merci beaucoup d'être passé. C'est vrai qu'il se fait un peu tard, je vous l'accorde. Ouais, Chobiti a fini son petit-déj, mais tout le monde n'a pas encore pris son petit-déj. Il va falloir que les viewers y prennent leur petit-déj. Salut Glentaril, bon appétit du coup. Donc ça travaille. Ensuite, on a le Sris qui travaille là-bas. Alors, je crois qu'il y a quand même peut-être un truc, ouais, lui... Si on le monte niveau 2, on va pouvoir progresser sur le chemin du loup, là. Yes. Excellent. Et celui-là, si on le monte niveau 2, on va pouvoir progresser par là. Excellent. Et t'as rien pour les autres chemins encore? Non, j'ai rien pour les autres chemins encore. C'est déjà pas mal, hein. On commence quand même à en avoir quelques-unes des compétences, là. Ça c'est committed, ça c'est committed. C'est ces deux-là qui sont pas committed. Parfait. Parfait, parfait. Du coup, on va regarder le temps qu'il fait. Du vent. Ah, du Earth, ça c'est parfait. On a dit qu'aujourd'hui, on ouvrait des portes. Donc, on a besoin de 4 de Earth. On va pouvoir le faire avec la dame. Du Gale, éventuellement aussi, on pourra le faire également avec elle. De la forge, level 5. Et on sait qu'on a moyen de générer un bon souvenir de type forge. Donc c'est parti, ici. On va papoter avec elle. On a également moyen, normalement, de ranger ça, parce que maintenant on le masterise. Et d'analyser ça pour un coup modique. Alors, on pourrait peut-être même mettre juste ça, on est à 4, voilà. C'est parti. Alors on a terminé... Ah oui. On a terminé ça. Donc on va pouvoir améliorer notre compétence. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ok, il nous propose d'acheter ce livre. Tally Price 2. On a 3. Parfait, on va acheter un petit livre. Excellent. J'espère qu'il nous rend la monnaie, ça m'embêterait. Alors, ma chère, tu as 2 de Grail, mais ici il faut 4, et normalement avec ce souvenir on a 3 en Earth. On n'a rien pour faire monter le Grail facilement pour le moment, donc on va partir sur ça du coup. On discute du temps qu'il fait avec la sage-femme du village, et ça ira bien. Et on pourrait aussi, du coup, embaucher lui. Et le type forge, il faudrait qu'on fasse le souvenir de type forge. Ouais, je pense que c'est jouable. Jusqu'ici, du coup, on rafraîchisse Ereb. Bien. Alors, toi, t'es prête à décoller ici, du coup. Débloquer l'infirmerie. C'est un peu misérable, mais bon, ça nous permet au moins de rafraîchir ça. Alors on pourrait aussi lui servir une tasse de thé, mais le problème c'est que c'est des trucs qui disparaissent après, donc ça nous fait, c'est dommage quoi.
Alors, on peut monter ça. Il nous faut un effort. Ouais, mais il va nous falloir rafraîchir Whist aussi. Peut-être que je peux faire avec du Moon. Non. Ah non, c'est du Sky celui-là. Peut-être que toi, tu t'en vas. Toi, je peux peut-être te faire avec du Moon. Une leçon qui va bien. Est-ce que je peux mettre une mémoire de type Winter? Parfait. On va monter celui-là au niveau 2. On a un deuxième souvenir. Ah, de type forge, mais un seul, hein. Il faut au moins 2. Non, c'est là. Là, c'est 6. Là, c'est 5. Ah oui, donc on va quand même papoter avec toi de ça. Ah, mais est-ce que je peux faire plusieurs souvenirs par jour? C'est pas sûr. Donc, on va plutôt attendre d'avoir le gros souvenir et on verra si on peut rajouter celui de niveau 1 après. Hop là, on est niveau 2 avec ce truc-là. On pourra même le monter niveau 3 à un moment. Mais il nous suffit d'un niveau 2. On veut le mettre là. On pourrait monter niveau 3 et remplir direct cette case. On va peut-être attendre. On va attendre un peu. Jamais j'ai pas refabriqué d'huile encore. Hein. Ah là là, on a tellement de mal avec juste le whist là, un seul whist. Je peux même pas me reposer du coup. Est-ce que je peux prendre le lit avec l'un de mes trucs? Non. J'ai plus de lit pour me reposer de toute façon pour le moment. Donc on est suspendu à ce qui va se passer là. Et éventuellement à l'infirmerie. Bientôt le printemps, enfin bientôt, disons qu'on est au cœur de l'hiver. Va bientôt faire une année qu'on est là, ouais. Alors, on a ouvert l'infirmerie, il y a plein de boissons. Hyper piquant. Du chocolat. Du lait de serpent. Mais ne donnez pas ça aux chats et aux bébés. Parfait. Oh la vache, c'est 6 de health ce truc. Encore du chocolat, c'est pas mal, ça permet de mettre 2 en grêle. Il y a effectivement une sympathique poupée. Et ça, c'est du woven et du tulle, ça c'est cool. Par contre, c'est un truc qu'on utilise une seule fois. Si c'est un device de type infernal, il peut exploser. Ok, non, il est inerte, c'est bon. Il est horrible, mais il est inerte. Ah, on a un buste de Musgrow ici. Il faudra qu'on regarde c'est le numéro combien. Là, on a du. De l'eau. Un pichet d'eau. Avec de l'eau bouillante, visiblement. The Sister on Witch. The Velvet. Pas le voir de plus près. The Thunderskin. Ok. On a quoi? Du vin rubis, ok. Un vase. Ah! Non, ça c'est des. C'est des serviettes. C'est pas. Ça, on va pas pouvoir dormir avec. Ça c'est The Witch and Sister. C'est pas le même que de l'autre côté. Une chaise. On a une plante aussi. Là on peut fabriquer des trucs. Intéressant, l'infirmerie qui fait rêver. Et ici, on a un neglected room, on pourrait la renvoyer assez rapidement, gérer ça. Et ah ouais, pour ouvrir ces deux-là, la midwife pour gratuitement, quoi. C'est hyper intéressant. Ça, c'est hyper intéressant. Il faut qu'on en termine avec ça rapidement. On a rafraîchi Ereb, on va discuter. Ça reprend 60 secondes. En attendant, on va cataloguer notre dernier livre. Ah non, on l'a déjà fait. On n'a plus aucun livre à cataloguer, ça y est. Bon, on va pouvoir ouvrir notre colis alors. Avec un peu de health. Et on va aller. Fête, c'est de type quoi? Moss et rose, ouais. On a du rose dans nos skills? On a du moss, mais on n'a toujours pas ce qu'il faut. Donc on va. Allez visiter la demeure
à faire un petit tour dans les bois pour générer un petit peu de ressources. Hein. Faut qu'on se grouille avec notre forgeron parce que mine de rien, le temps passe. Hein. Alors s'il faut qu'on lui donne une tasse de thé, on ira chercher le truc à 6. Hein. Plutôt que celui à 5. Mais allez, 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 travaille. Après, on rafraîchit le whist et on monte notre Sight and Sensation niveau 2 également. Ok, on a notre souvenir, parfait. Donc on parlait avec lui, il va monter level 4. Ici, on a dit, on rafraîchit ça. Notre argent diminue. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans ce colis? Qu'est-ce donc que ceci? Une box de rareté, une boîte de rareté. Ah, on peut l'ouvrir en plus. Ok. Ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on a envie de l'ouvrir? Ouais, on a deux fêtes là qui servent à rien. Allez, ouvrons-le. On va voir après, est-ce qu'on peut utiliser le souvenir avec lui? Ah oui, il commence à être tard, je sais. Ouais. On l'a payé, il faut qu'on arrive à en faire quelque chose. Alors du coup, est-ce que on peut reparler de ça? Non. C'est un seul par jour, logique. Donc il faudrait qu'on arrive à monter ça d'un niveau au moins. Ah, on peut faire un truc comme ça par contre. C'est ça. On peut discuter de lui avec Shapt. Il passait level 5 et on va s'occuper de ça du coup. Parfait. Alors là... On a récupéré notre monnaie et un nouveau livre qui est de type Moon 4 et qui parle Sickle and Eclipse. Ok. Un livre qu'on va pouvoir étudier assez facilement normalement. On a... Là ça travaille, ouais. Et après on pourra envoyer fête pour gagner 2 pence, histoire de dire. Là on a trouvé... Ah, du quartz rose de nouveau. Très bien, on va les foutre dans le jardin d'hiver. Hop. Allez, on y est presque. Vite, avant qu'il fasse vraiment nuit et qu'il se barre. On ouvre... cette pièce là. Et là, on a rafraîchi ça, ce qui va nous permettre d'utiliser le souvenir dès qu'on aura passé 10 secondes. Mais ça c'est large, la nuit est longue et les souvenirs disparaissent que le matin. On a trouvé une nouvelle poupée flippante. Ouais, une nouvelle poupée flippante, c'est ce que je me disais, dans le pot de trucs rares, mais 6 de grêle quand même, hein, c'est hyper fort. Hein. On va le mettre à côté de sa copine, mais ouais, parfait, on va récupérer le bus là. Voilà, rien n'est encore plus flippante. Ça c'est le niveau du dessus, elle est à 6 elle. Elle c'était 4. Parce qu'il y en a une, elle est pâle et l'autre elle est flochède. C'est ça, pâle momette, flochède momette. Peut-être que si je les mets toutes côte à côte, elles s'animent et elles viennent nous regarder la nuit. Alors, il fallait qu'on monte ça de niveau du coup. On a la leçon qui va bien, on a le whisk qui va bien, on a la memory qui va bien. C'est parti, on améliore ça. Et lui... Musgrave, c'était qui déjà Musgrave? On a lu un livre de lui. C'était là. Musgrave, 4e baron de Bancrux.
Là, on a le deuxième, et en haut, sixième, septième baronesse, seconde librarian, sœur de librarian. Non, pour le moment, non. Ça va certainement être plus haut. Bah, il faut qu'on le mette quelque part, on va le mettre là, du coup, pour le moment. Voilà, voilà, voilà. On va ouvrir cette pièce pour la nuit. C'est déjà pas mal, franchement. Globalement, une belle journée. Là. Et ça c'est level 2, donc on va pouvoir aller le mettre bah du coup ici. Ah oui, et lui du coup il va là, c'est ça. Mais on a dit qu'on pouvait le monter level 3. Donc on va attendre à monter level 3. Mais toi tu peux te mettre ici. Oh, on va débloquer un. Oui, ça c'est bon, ça j'aime. Ça, ça va nous aider. Ça, ça va bien, bien nous aider. Alors du coup, tant qu'à avoir un Wiz disponible, on va reprendre ce lit. Et le fait là, faut pas y faire grand chose avec. On n'a plus vraiment de livres à cataloguer. On va avoir des livres normalement dans ici là, il y a l'air d'avoir plein de trucs dans cette pièce. On va attendre 18 secondes, et sinon j'irai le mettre à la taverne. On va pouvoir redescendre un peu ça. Voilà, on a ouvert cette nouvelle pièce. Alors, il y a plein de... tête de trophée de cerf, fantastique. Il y a un magnifique tableau. Ah, le fameux Mansus. Là, on a quoi? Astarine. C'est une encre. Ah, c'est cool. Ouh, 6 de lanterne. Pas mal. Un vase. Une petite lampe. Ok. Ici, on a un nouveau bureau. Ah, qui est de type Knock. Ok. Mais toujours pas de moss, par contre. On a du papier de base, des livres. Solar, baronial. On a un crâne. Parfait. Un petit vin du domaine Raveline. Ok. Ah, on a un buste. Ambrose Westcott. Qui tu es, toi? Bah tiens, on va essayer d'en savoir plus sur toi en investiguant l'objet. Et on est pas mal pour la journée, là, mine de rien. Belle journée, quand même. Et on a débloqué un deuxième whist. Rien que ça, ça fait bien plaisir. On va reprendre notre lit. Ah, petite période de calme, on boit un coup. Ça avant la fin de la nuit. Alors du coup, non, qui étais-tu? C'est le premier bibliothécaire de Ushrooz. Alors est-ce qu'on a un emplacement? Ah mais s'il est là, le quatrième baron. Ah bah attendez, reviens à toi. Il était planqué au-dessus de l'escalier. Voilà, quatrième baron. Et on avait le premier libraire. Often purified, but was not often pure. Ok. Ça fait rêver. Mais du coup, ça disait qu'il était métallurgiste et tout, mais visiblement, il n'y avait pas que ça. Hop là, on le met là. On a récupéré ça, mais ça va disparaître direct.
Et on va être bon pour la journée. Alors, une nouvelle journée nous tend les bras. J'avais même pas fait gaffe, mais on peut mettre des gens dans les lits aussi, ici. Nectar, Earth. On a plusieurs lits, là, éventuellement, pour mettre des invités, si jamais ils ont envie de dormir à l'infirmerie. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, il neige. Ah, ça nous donne des possibilités. Donc normalement, on a des trucs... Voilà, ça c'est de level 4, c'est assez facile. Ça c'est du level 4, c'est assez facile. Ça c'est du level 8, c'est, je pense, faisable. Peut-être le 6 avant. Du coup, en moon, on a ça et on peut mettre... Lui qui est à 4, lui qui est à 3. On peut essayer de travailler sur le 6 du coup. Celui-là. Poser là ? Ah oui, je peux le poser. On va vouloir du ça. Et on va vouloir ça. Faire du catwink. Ok, une petite mais du coup si je veux pas le faire, si je veux pas crafter, je fais comment? J'enlève un truc. Voilà, si je veux travailler sur le machin. Donc là on est à 5 sur 6. Si on peut rajouter soit du soul soit un skill, on sera bien. Non, je vais quand même laisser à 5 sur 6, parce que si on ne peut rajouter que un soul, on sera bien. Alors que si je mets autre chose là, ça va être plus gênant. Donc, par contre, il nous faudrait, si on fait un deuxième souvenir de Winter, on pourra améliorer ça d'un niveau, donc on va faire ça. On va jeter un petit peu de sable dans la mer. Avoir un deuxième souvenir de type Winter, et ça va nous débloquer un autre aspect de l'esprit, ça. Ce sera bien cool. Toc. Parfait. Donc là, on peut dire, toi, il faut un effort de type Winter, de memory et une leçon. C'est parti. Et bonne journée, Gaelden. Merci beaucoup d'être passé. Et bon appétit, probablement. Ok, donc là, on va gagner un skill. Derrière, on va pouvoir reposer ça. On va aller le reposer tout de suite. Oh, on peut le mettre... Non. J'ai rien de très intéressant pour l'aider à se retaper. Donc on va payer, tant pis. Ah, ça m'embête de payer. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour... Restaurer, il faut soit du restaurative, soit un beverage. Alors on a plein de beverage, mais bon, je vais pas claquer un beverage pour ça, quoi. Ah si, allez, je vais me servir un verre de vin. Voilà, un petit verre de vin, des familles. Et avec ça, on va aller reposer notre twist. C'est parti. Et derrière, comme ça, on pourra faire le challenge level 4 du bouquin assez facilement. Même avec un de ces trucs-là. Alors, ici. On passe niveau 3 avec ça. Et donc, on va pouvoir normalement aller le mettre... Je peux pas aller le mettre directement au niveau 3. Tiens, il me semblait que ça ouvrait le chemin directement. Zut. Ça, c'est dommage. Alors, si je le mets là, je gagne quoi? Un Ereb. Hein, c'est pas inintéressant.
Pas inintéressant, mais ça m'embête quand même un peu. Sinon, je le mets en usherie niveau 3. Ah non, j'ai déjà mis un... Non, c'est pas la bonne que j'ai, pardon. Sinon, c'est Birdsong. Oui, je l'ai pas ouvert du tout. Birdsong, il est où? Il est là. Ça me donnerait un Swiss. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ok, bah on va attendre un peu de voir si on trouve un truc ici qu'on pourrait mettre level 2. Ça, c'est du Hush. Ah, et on l'a déjà committed, lui. Ah oui, on a fait le niveau 1. Là. Ouais, il nous reste plus que ça qui n'est pas committed. On va attendre un peu. On va attendre un peu. On a des bouquins, là, qu'on va pouvoir explorer. Ici, on va regarder ce que nous donne le truc ici. Alors, pendant ce temps-là, on va quand même travailler un peu. Pas déconner. On était en train de reposer le whist, mais on a un max de temps disponible, donc on va cataloguer. C'est parti. C'est toujours rarely contaminated. Parfait. Curia, c'est la Curia période, c'est rarely contaminated. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Ok, ça c'est un truc random. Une fourniture, ouais. Un tableau. Ah, ça par contre, il y a moyen. Un tableau de type Moon. Ah non, mais il y a plein de fournitures de type Moon. Ouais, bon, il faut une fourniture. On met un siège confortable pour travailler dessus. Pas de soucis. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande en premier? Voilà, confort. C'est un bon fauteuil. Et là, du coup, on est à 6. C'est parfait. Voilà, on va passer à autre chose. Est-ce qu'on a des bureaux de type Grail, là? Toi, t'es de type Grail. On pourrait peut-être essayer de fabriquer des trucs avec un Ereb. Ouais. Non, j'ai plus aucune memory on the sense. Non, parce que j'ai débloqué le niveau 3 de celui-là et je peux pas le mettre au troisième niveau, donc je vais attendre de voir si je trouve un niveau 2. Et là, on a fait un peu de sous. Refaire un peu de sous. Pour faire les stocks. Avant de se faire une séquence ouverture de salle. Ce qu'on peut peut-être faire, quand même... Grail niveau 5 et Hertz niveau 5. On pourrait, je pense, si on donne un petit truc comme ça, c'est que on pourrait filer une petite tasse de chocolat à la sage-femme. Parce que si on lui donne ça, ça va monter à 6. Ça fait chier de mettre 6 pour un 5 quand même. Mais avec 4, on pourra ouvrir l'escalier. Ah, et du coup, je l'ai trouvé, en fait, le baron, il était là, là. Le quatrième baron. Et du coup, on a ouvert la salle, et là, il y avait le premier libraire. On va lui demander de l'aide. Rejoins-nous, ma chère, rejoins-nous. Là, normalement, ça va suffire... On a fini ici. 10. 10 en forge. 10 en forge, c'est beaucoup. On va commencer à utiliser un peu des étagères. C'est du Curia. C'est parfait. Curia, pas de problème. La couleur, en fait, ça donne la... Là, le moment où ça a été écrit. Alors, on a récupéré elle. Et là, Moon Akulmenachen. Lui, c'est un pêcheur qui parle des poissons autour de Bankrout. Fantastique. Du coup, on a Memory Salt. Ok, c'est une petite memory de niveau 1, mais sur 3 trucs. C'est pas mal. Ok.
leçon. Surtout quoi? T'as une leçon. Oui, la leçon, bah, la leçon après, la leçon elle disparaît pas, donc il y a moins besoin de se lâcher dessus. Avec ça, on va pas faire grand chose pour le moment. On pourra travailler sur un Moon level 4 avec ça. Allez. En avant, on a un Thrist disponible. On va y mettre ça. Et on a déjà level 4, en fait, même pas besoin du memory. C'est parti. Le Winter level 3, il nous faudra un Wist récupérer, un Wist soigné en pleine forme. Qui est où? Ah non, c'est vrai, il est en train de faire la sieste. Il est en train de faire la sieste. Alors là, le nouveau bureau qu'on a débloqué, il permet de faire du knock. Il faut 5 pour fabriquer un truc. En knock, il n'y a pas grand chose. Il y avait un memory de type knock dans les livres qu'on a lu. C'était lequel? Il va vraiment falloir qu'on les note. T'auras un carnet à tout hasard? Non, j'ai un carnet là-haut, je vais attraper un carnet. Blablabla. On va commencer par celle quelle qu'on a maîtrisé. Pas lui. C'est celui-là. Je croyais que je l'avais posé là. The Sea Doesn't Regret. Alors, je vais attraper un carnet. Si tu veux bien reculer un petit peu, je suis obligé que je puisse bouger. Merci. Alors, un carnet. Tout neuf, bah ouais, ça sert à... On va pas se mentir, hein, ouais. Ça fait longtemps que je ne me sers plus de carnet. Hein. Hop là, après je pourrais me servir d'un traitement de texte aussi, mais c'est moins rigolo. Alors, on va mettre... Ça donne quoi? Ça donne salt. Non, ça memory salt. Qui est de type knock, moon et winter. Que je me souvienne, black néphrite, c'est fear. Et pire, c'est Edge et Scale 2. Le Hunting, je crois que c'était Fear aussi. Bon, il va falloir que je les relise parce que je me souviendrai jamais de tout avec certitude. On va déjà faire ces deux-là, c'est déjà bien. Il y a celui-là... Non, celui-là... Il y en a un des deux, là. Qui donne... regret. Je pense que c'est pas celui-là. Bon. C'est pas grave. Au pire, on fera ça en off. C'est pas la mort. Pour le moment, pas d'urgence. On va récupérer ça. Hop. Et on va pouvoir travailler tech sur notre petit livre level 4. Assez facilement, normalement. On va foutre ça et ce sera bon. Ah, mais je l'ai déjà masterisé de celui-là. Merde. Bon, bah, c'est pas grave. Ok, il était mal rangé. J'ai pas vu le truc comme quoi il était masterisé par contre. Du coup là, on a catalogué ce livre, 6 de Moon.
totalement acceptable. On va le mettre dans notre bibliothèque de trucs à prendre. On va commencer à déplacer tout ça là. Hop. 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 Ici on fait un peu de sous. Est-ce que on ferait pas encore un petit peu de sous aussi? Je l'ai pas lancé. Tac tac tac. Toi. Toi. Oh, une BD. Voilà. Ça ici, on rangera pour le moment que ceux qu'on a masterisés, même si à un moment, je pense qu'il y aura, il y aura plus qu'on a masterisé que qu'on n'a pas masterisé. C'est pas tout de suite, mais ça va venir. Là, on a tous nos moons sont fatigués. Hein, ouais. On peut pas se remettre à travailler sur un. Il est où notre deuxième thrist? Voilà. Ah, il doit être là. Ouais, il est là. On était en train de masteriser hein, déjà. Okay. The Third History. Louis déclare le masque des masques. Interdit de mentionner le Great Rising à l'intérieur des murs du palais de Versailles. Bien qu'à ce moment-là, le vert, avec une majuscule, avait été observé pour se déplacer tranquillement dans les boulevards de Paris. Parfois même pendant la journée. What? Qu'est-ce que c'est que ce délire? N'importe quoi. Alors, on a des trucs ici. Bah du coup, nos signes morts, ouais, pour celui-là. Je l'avais déjà fait, autant pour moi. Ça va nous faire quand même un memory regret, donc on va savoir que... C'était celui-là. Ouais, celui-là. On a le mastery. Donc, Lady Evals Whipples. Memory de type regret. Regret et ça donne Forge et Winter 2. Et donc toi tu vas venir avec moi. Ici c'est plein, on va te mettre ici. Alors du coup on a deux Winter. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose d'intéressant avec deux Winter? On a une leçon ici qu'on peut apprendre, mais on pourra faire ça cette nuit. Là on a récupéré un peu de sous. Il nous reste juste un chapt. Chapt c'est Forge 1. On a un skill de type Forge. Non, on n'a aucun skill de type forge. Donc si on travaillait sur ça... Alors attends, en plus il faudrait un truc de type forge pour pouvoir travailler dessus. Là non. Là oui. On a bien un truc de type forge. Je peux le mettre direct là. Du coup, on pourrait mettre ça, on pourrait mettre ça. On est qu'à deux. Sans skill, c'est sûr que c'est plus risqué. Hein. D'accord, je revérifie, mais même lui, non, c'est du grail, même s'il est rouge. Et ton woo, c'est pas du... Non, le woo, c'est... Il est où, d'ailleurs? Là. Je crois que c'est du Moon et du Scale, ouais, c'est ça. Il est perturbant parce qu'il est sur fond rouge, mais en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout du Forge. On peut tenter, hein. C'est K,
quelle période baroniale? Un petit risque quand même. Mais on va tenter. Je pourrais avoir un meilleur souvenir de type forge de niveau 2 si je mettais un Ereb à la taverne. Mais bon. Ce sera à 3 au lieu de 4, c'est pas non plus ouf quoi. Enfin... Ok, on va lancer ça. On va voir ce qui nous sort. Avec un peu de chance, on pourra y arriver. Et donc ici. Bizarre cette histoire quand même. Oh, on a eu plein de leçons. Non, on a eu une leçon et une mémoire de type intuition. Deux de Moon, excellent. Deux de Rose, c'est cool aussi. Leçon, Sickle and Eclipse. Edge, Moon. Ok. Alors du coup, le livre. On est parti où? Celui-là. Mastery Moon. C'est celui-là. Alors, le titre colle pas du tout, mais... Collected. Collected. Hush. 12. Lecture. Donc ça donne une intuition. Intuition qui est Moon 2 et Rose 2. Pas très bien, je fais un peu comme je peux, écraser comme je suis. Et du coup, faut qu'on le vire. C'était celui-là. Mettre dans la bibliothèque des livres connus. Et bon, on a pas mal travaillé aujourd'hui. Du coup, on va travailler sur nos leçons maintenant. Terminer la journée. On va perdre les souvenirs, mais c'est pas hyper grave. Faut que je surveille quand même l'autre qui bosse là. Alors je pourrais tenter de reposer Ereb à la taverne, de le renvoyer à la taverne. Ça me permettrait d'avoir un souvenir de niveau 2 au cas où je tombe sur un souvenir de niveau 2 dans les choix. Le problème c'est que ça va prendre 120 secondes, plus de la thune. Ce qui me paraît franchement pas très pertinent. Donc pour le moment je le fais pas. On va regarder ce qu'on nous demande et voir si ça passe. Si ça passe pas, c'est pas grave. Donc là, Edge et Moon. Ok. Effective against corruption. Oh, ça c'est cool ça. Alors, on a quoi? Soul. On pourrait mettre un Shapt. Mais ça rajouterait que 1. Et... Un truc d'art de type forge. Il y a peut-être moyen. Ah non, j'ai pas besoin de reposer le shaft. Ah non, oui non, faut que je prenne un autre truc que shaft surtout. Parce que là, ils me cherchent ceux qui sont fatigués, ce con. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui est de type forge, ça? Ouais, ce tableau-là, là. Ce tableau-là, c'est 1. Est-ce qu'on peut en trouver un qui a 2? Ouais, mais la plaque de granit, je pense pas que ça soit de l'art. Là, il y a peut-être moyen. Le buste du baron, c'est 1. Ce tableau-là, c'est 1. Il y a ces trucs là, ouais. Les tableaux qui sont ici, il n'y en a aucun qui marche. Dommage, tiens. On va pouvoir mettre que 1. Du coup, si on avait le Soul reposé, ça suffirait, mais... on n'aura pas le temps. Hein. On a combien de temps?
Ouais, 8 secondes, non, ça vaut pas le coup. C'est 8 secondes, et puis après, je crois qu'on a 10 ou 20 secondes pour le poser, ça suffira pas. Tant pis, ça va être un échec. Ouais, c'est ça, on a 10 secondes, il faut 60 secondes pour le reposer, même à la taverne, donc... ça ne sert à rien. Ici, du coup, on commence à voir pas mal de choses. Pearl and Tide. Juste espérer que ça va pas tomber malade. On se préparera mieux demain pour le faire. Pour le réussir correctement. C'est raté. Mettre après. Hein. Mais je pense que c'est vraiment pas une question de pourcentage. Il faut trouver, il faut réussir à atteindre le 4. Ouais, c'est ça. Il nous a defeat. On se récupère le regret du coup. Mais on n'est pas malade. C'est déjà pas mal. On n'est pas malade. Et du coup, demain, on pourra essayer, mais en mieux. Alors, on va regarder un peu ce qu'on peut mettre, là, du coup. Ça, c'est du Nyctrodomie. On l'a pas commencé encore, cet arbre. Si, on l'a commencé. Il faudra du level 3. C'est pas fait encore. Et ça, c'est aussi du Nyctrodomie. Ou alors, Bosque. Ça, Preservation. On n'a pas commencé Preservation. Ni Bosque. C'est Burn Song. Attends, c'est quoi ce machin là? Il y a où l'indication là, qui nous dit c'est quoi ce truc là? C'est Moss, ok, c'est pour ça qu'on a le niveau 2 là. Parce que ça c'est du Moss aussi. Et on a des compétences Moss niveau 2, c'est pour ça que le niveau 2 c'est ouvert en fait. Je pense qu'on va aller du côté de Preservation. Celui-là, non, c'était celui-là. Ah non, on a déjà fait un, on a déjà mis l'encre ici. Donc Preservation, on l'a déjà ouvert. Du coup, on va peut-être attendre. Si on peut passer ça au niveau 2, et ça au niveau 2, ça nous permet de progresser quand même. Bon, ça faudrait le passer au niveau 3, c'est quand même assez improbable. Plutôt qu'ouvrir des nouveaux trucs. Alors après, si j'ouvre Bosque par exemple, ça me donne quoi? Un Else. Ouais. Bon, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup pour le moment. On va voir si on peut les faire progresser plutôt. Hop là. Et c'est le jour. Alors, il faut qu'on se prépare pour notre petit livre. On va envoyer un RF ici. Et pendant ce temps-là, là on a un Moon level 6 qui est faisable, un Moon level 8 également. Alors ça c'est de l'herbe. L'herbe, vraiment j'arrive pas quoi. J'ai pas de skill pour, c'est ça qui est gênant. Donc là si on met ça et qu'on met ça, on est à 4. Mais si je mets lui, on est qu'à 5. Ah. Intéressant. Mais t'as pas encore eu ton memory du jour. Ouais, on va attendre la memory du jour. Une tempête. La tempête, elle peut nous permettre d'ouvrir des portes. Bon, je sais plus si on a déjà crafté ce truc-là. Une Minor Ink. Non, on n'en a pas fait encore. On va le garder de côté. On va crafter du Capwink. Non, on va crafter du ça. On va crafter du ça et après on craftera un Catwink.
Ça nous fera pas mal d'avoir une petite encre, peut-être, ça permet aussi de renforcer, hein. J'en mets jamais parce qu'on la consomme, parce qu'on sait pas la faire, donc c'est embête de consommer celle qu'on a trouvée, mais... Alors avec ça, Ers, on va pouvoir booster L, mais il nous faut le R.E.B. qu'on a cramé. On a besoin de quoi? On a du Sky ici. Là, on a du Grail à 4, c'est faisable. Grail à 5. LGRS. Peut-être plutôt le forgeron, le Hers. Oui, c'est le forgeron, le Hers. On va embaucher le forgeron. Un petit shilling. Difficile de pas se disperser. Hein. Tellement de choses à faire. On va cataloguer un petit livre de l'Hercuria pendant ce temps-là. Hop, voilà. Et notre ami forgeron... Ah non, il n'y a pas de Hertz. On va le monter à 4 quand même avec ça assez facilement. On a besoin de combien? Sinon, faut que je le monte. Le forge à 6. Cinq ici. Oui, c'est la midwife qui peut nous aider ici, je me souviens maintenant. J'ai dit qu'elle pourra nous ouvrir ces deux salles-là. Du coup, on va plutôt essayer de lui monter sa forge à 6. À 6, alors. Ouais. Monter la forge à 6. Alors, à quoi on peut pouvoir monter ta forge, mon gars? On a toujours un T, normalement. Ah, lui, il peut travailler avec le métal, c'est vrai, tiens. Est-ce qu'on peut lui filer... Un de ces morceaux-là, là. Allons-y. Je me demande si du coup, quand on les fait travailler avec leurs trucs principaux, c'est pas... permanent. Oh mais Bigadin qui lance un raid, salut Bigadin, merci beaucoup pour le raid, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les raiders, bienvenue bah, Bigadin, merci encore, bienvenue Bascal, l'a dit l'a fait, 404 not found, j'espère que vous allez bien. Alors est-ce que mon shootout marche aujourd'hui? Non. Et bah du coup, dédicace à Bigadin quand même. Vous étiez sur quoi à midi à dimanche? Du Blood Bowl? Un petit Blood Bowl? T'as pas fini toi encore? Non, t'as pas fini encore. Toujours Blood Bowl. Eh oui. Il faut que t'arrêtes, Bigadin. Il faut que tu fasses une petite pause. Petite pause au calme. Regarde, joue à Book of Wars, là. C'est tranquille, c'est chill. Tu peux pas te planter. Pas de stress. Il y a plein de choses à faire tout le temps. Tic-tac-toc. Il n'y a pas de jet de dés en plus. Que demander de plus? Ah, mais il y a un nom catalogué qui traîne là, j'avais pas vu. Ah, mais non, mais oui, si, je suis toujours. Si, c'est la pièce que je suis en train de cataloguer. Je m'en fous! On a foutre! C'est un dernier jeu! Scandaleux! Nous aussi on t'aime Bigadin, dit Chobiti. Alors, toi du coup. T'es level 4, donc si on te file un petit thé maintenant, ça devrait suffire. Et je crois qu'il nous en reste, alors dans la loge du gardien. Une petite tasse de thé mon ami. Ça, on est d'accord que j'ai pas de quoi discuter, hein, non. Alors, cela dit, attends, non. Je vais avoir un souvenir là, avec mon R.E.B. là. Ah non, pas les jeux du signe, en plus son Discord il est pas bien. Mais, dis donc, j'invite tous ceux qui pensent que mon Discord n'est pas bien à venir sur mon Discord pour huer Kirwax qui est sur mon Discord. Ah, on a eu autre chose que d'habitude, tiens. Ah, ok, d'accord. Bon bah, on va partir sur la tasse de thé alors.
m'attendais pas à ça. Tasse de thé. Bon appétit. Bon appétit, Bigadin. À bientôt, chien. On va reposer ça. Alors, il nous faut au moins 2 pence. On va aller chercher la dame. Et du coup, on n'a pas le bon souvenir. Frivolous but tasty. Du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on lise un livre qui nous donne regret. Lady Eva Ripose, c'est celui-là. On va le lire avec lui. Hop. Au moins, on aura un petit souvenir. Et toi, on pourrait pas travailler sur toi. Ah, on avait crafté du Engro, c'est vrai. Le Engro, ça me permet de me reposer. On va le mettre pas loin du lit, du coup. Hop, s'il y a besoin. Voilà. Et du coup... on va pouvoir essayer de craft ça. C'est parti. Avec l'encre, on peut crafter de l'encre, la compétence d'encre, ce qui est très bien. Non, là, je note, c'est la compétence que t'as dit, il faut absolument prendre au début et tout, machin, c'est super important, et t'arrives à t'en servir que maintenant, quoi. Bah, ça n'empêche pas que c'est pas super important. T'as l'impression qu'on est près de la fin du jeu, là? Non, mais je veux dire, t'aurais pu l'avoir de manière aléatoire en lisant tes livres. Bah, je l'ai eu de manière aléatoire et ça m'a permis de la monter au niveau 4. Alors là, du coup, on a 6 de forge. Avec 6 de forge, on peut ouvrir la cuisine. Allons-y pour la cuisine. Donc on a toujours notre souvenir de tempête, ça c'est cool. Allez, faut finir de lire ce livre. Web Snared Room. Ok, on a fini ça et on a fini ça. Alors du coup, avec Ereb, on peut aller embaucher notre ami ici. Avec le Memory Regret, on peut travailler là-dessus. On va juste attendre de voir si l'encre qu'on fabrique là dans 8 secondes, c'est pas une encre qui donnerait de la forge à tout hasard. Non, ça donne du moon par contre. C'est très difficile à lire à la lumière du jour. Et ben on va la poser là. Alors non, je vais la poser, pas l'utiliser. Voilà. Ça, elle sera pas loin. Et du coup, on va attaquer ce livre avec ce qu'on a sous la main. Une fourchette, exactement. Et on est d'accord que on n'a aucune compétence de type forge. Non. Donc c'est parti. On va voir ce qu'on tire, à voir si ça passe ou pas. Ici, on a notre ami qui est disponible. On va discuter de ça avec toi. Ça va te faire monter à 5 en Hertz. Et je crois que ça suffit. Il y en a un où c'est 5. Et ça, c'est 5 ici, et 5 ici, parfait. Dès que lui a fini de réparer la cuisine, on t'envoie ouvrir... Alors on a quoi? La pièce négligée ou le gloomy? Gloomy, c'est la lumière un peu bizarre, non? Ça, ça ressemble à un truc avec des trucs de cinéma. Et ça, ça ressemble effectivement à un labo. Intéressant. Et donc là, on a ouvert la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans la cuisine? Ok, on peut cuisiner ici. Et on a du thé,
champignons pickles, un œuf, encore un lot de l'île, de la teinture. Ok, parfait. Ici, on peut servir du miel. Coucou. Du miel. Kitchen bowl. Du vin. Ça, c'est du décor. Et là, on est dans la pièce d'à côté. Ok, bon, bah, globalement, de quoi cuisiner si jamais on a besoin de cuisiner. Peut-être qu'on pourra fabriquer des objets du coup un peu plus évolués. On peut faire ça avec du scale. Kitchenware, c'est quoi? Ah, le truc où cuisiner, ok. Parfait. Bah, je peux pas encore, elle est en train de travailler, la dame. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est référencer un petit livre. Alors ça, on le garde. On va utiliser ça. Non, on peut faire des choses avec ça, je suis sûr. Si on retourne là, on utilise ça et ça. On est à 5. En vrai, on est à 7. Si on rajoute un regret, on sera à 9. Et si on rajoute un papier, on sera à 10. On pourrait réussir à crafter le truc de niveau 10. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va utiliser du coup ça. Quoi? Ah oui, juste pour le lire. Ah oui, il a fait, malheureusement, le jeu est complètement en anglais. Il a jamais été traduit. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, pour les raiders qui arrivent, c'est le deuxième jeu des gens qui ont fait Cultist Simulator, si jamais vous situez un peu plus. Là, on est vraiment sur un jeu de rôle narratif totalement chill dans un univers un peu Lovecraftien. En gros, on est le bibliothécaire qui a été envoyé sur cette île pour réouvrir la bibliothèque, qu'on voit ici, hein, qui a été abandonnée lors d'un grand incendie il y a plusieurs années. Et on va devoir utiliser nos cartes, les différentes cartes, les différentes choses qu'on débloque pour progresser, apprendre des compétences. Alors ici, on ne voit pas, mais là, c'est tous nos skills et les langages éventuellement qu'on peut apprendre pour pouvoir progresser dans la bibliothèque, découvrir des livres, et régulièrement il y a des gens qui vont venir nous voir et nous demander des livres de différents types pour pouvoir apprendre eux aussi sur certains sujets qui les intéressent. Et si on arrive à leur donner les livres qu'il faut, ils nous donnent de l'argent et on peut progresser, etc. Et on est sur un univers un peu comme Cultist Simulator, Lovecraftien, donc il y a beaucoup de textes, mais c'est des textes assez nébuleux, quoi, on va dire. Lovecraft, il décrit jamais vraiment les choses directement, c'est toujours des émotions, des sensations, des trucs du style, des mots un petit peu inventés, comme par exemple un chapt, trist, twist, etc. qui sont les 9 aspects de l'esprit. Donc on va avoir un petit peu de magie, un petit peu d'occulte, on va pouvoir crafter des trucs un petit peu bizarres, des fois les livres vont être contaminés, s'ils viennent d'une période particulièrement occulte, ce genre de choses. Le jeu est franchement très très cool, et puis il est très chill, on peut pas vraiment perdre en fait, on a juste du temps à passer. C'est assez sympathique. Lovecraft était spécial, ah bah oui, ça oui, on peut le dire. On va ouvrir la salle de cinéma, tiens. Et donc typiquement, l'une des tâches principales du jeu, ça va être de cataloguer les livres. Donc à la base, les livres sont comme ça, on sait pas comment ils sont. Et quand on les catalogue, on dépense de l'effort pour les cataloguer. On va les découvrir, donc ils ont un nom, on a vaguement une description du livre, la langue dans laquelle il est écrit, etc. Et après, on doit essayer. Tous les livres ont un challenge. Ici, par exemple, c'est un challenge de type Moon, de niveau 6, il y a un petit 6 à côté. Et on doit essayer de lire le livre avec suffisamment de compétences, de souvenirs, d'objets à rajouter, etc. pour atteindre la valeur du challenge. Et quand on atteint la valeur du challenge, on découvre ce qu'il y a dans le livre, on arrive à le lire et à le maîtriser. Et en plus, on gagne des compétences, de quoi améliorer nos compétences. Donc là, j'essaye de masteriser ce livre-là, qui est assez compliqué pour moi, parce qu'il parle de forge.
Et je suis pas du tout efficace en forge. Donc j'espère réussir à le maîtriser. Donc là, je l'ai lancé avec seulement un niveau 2 alors qu'il est de niveau 4. Mais il faut savoir que la première fois qu'on le lit, il y a 3 événements aléatoires, voilà, qui arrivent et qui vont nous permettre de rajouter des choses pour éventuellement mettre plus de puissance. Ici, par exemple, je vais pouvoir rajouter une Sing, donc une chose, donc tous les objets qui sont de type Sing. Mais bien sûr, il faut que ça rajoute de la force, sinon ça n'a pas d'intérêt. Je vais pouvoir rajouter du soul, pardon, ça c'est cool parce que j'ai un soul de niveau 1 de forge. Et ça, c'est un truc qui va augmenter aléatoirement certains aspects. Peut-être le bon, peut-être pas le bon. Alors Lovecraft, il y a une raison pour laquelle il a particulièrement inspiré beaucoup d'auteurs et autres. Il a dit l'a fait, c'est parce que c'est un des très 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 rares auteurs du XXe siècle à avoir, avant sa mort, dit que toute son œuvre devrait être libre. Il n'y a pas de copyright dessus ou quoi que ce soit, ce qui fait que elle a pu être exploitée directement sans attendre des durées de 99 ans ou autre pour pouvoir être enrichie et améliorer l'œuvre, s'appuyer dessus, etc., quoi. Donc là, il faudrait que je trouve une Sing de type forge. Alors, il y a ça c'est une Sing de type forge. Donc c'est du niveau 1, mais si on le met plus le soul, c'est pas mal, je pense. Ouais, mais le rouleau, j'ai peur de le consommer en fait si je l'utilise. Alors que le buste, je sais que je le détruirai pas. Regardez vite fait là s'il n'y a pas mieux. J'ai vu qu'elle avait une question, ouais. Alors, l'apprentissage du jeu est pas trop long, Lady. Comme je te disais, tu peux pas perdre ou hyper difficilement. Il faut vraiment laisser le jeu en pause et te barrer en faisant rien. La courbe d'apprentissage est pas forcément très brutale. J'ai fait une vidéo qui est parue ce matin. Enfin, c'était le premier épisode du live d'hier, quand j'ai présenté le jeu pour la première fois. Pour donner un start efficace selon moi, celui que j'ai utilisé sur cette partie-là. Mais il y a plusieurs manières de démarrer le jeu et il est relativement simple. Enfin, faut maîtriser l'anglais, tu maîtrises l'anglais. Et après, c'est juste une histoire. En fait, tout est expliqué dans le jeu. Tu vois, si par exemple tu veux mettre, je sais pas moi, par exemple ça, tu veux mettre une carte ici. Tu vois qu'il faut une carte de type Soul et quand tu cliques dessus, ça te dit. Il faut que ça soit nécessairement un élément of the soul, c'est essentiel, donc tu ne peux mettre que ça dans cet emplacement. Et il faut que ça ait au moins un de ces aspects-là. Et quand tu cliques dessus, tout ce qui est de cet aspect-là, en fait, va être surligné. Donc là, tu vois, par exemple, il y a plein de trucs qui clignotent à l'écran, c'est tout ce qui est de type moon. Donc après, ça te permet de. Alors là, mes types moon sont fatigués, donc ça ne le montre pas. Mais si je prends par exemple Winter. On voit que mon aspect de l'esprit ici, Winter, qui est pas fatigué, je pourrais le mettre dans cet emplacement. Et après, de cette manière-là, bon, au bout d'un moment, tu le sais quoi, mais tu apprends ce que tu peux faire, ce que tu peux mettre dans les emplacements. Il y a plein de trucs d'interaction différents. Tu peux pouvoir regarder les étoiles avec ça pour fabriquer certains objets. Tu peux cuisiner, tu peux faire de la musique. Il y a plein d'instruments petit à petit que tu débloques. Donc en fait le jeu au début est un peu comme dans Cultist Simulator, tu démarres, t'es sur ta petite plage, ton bateau a coulé, t'es dans la merde, y a pas de tuto, ça te balance dedans direct. Mais t'es guidé dans le sens où dans toutes les actions que tu peux faire, il n'y en a qu'une qui fonctionne. Du coup, au début, même si tu peux prendre un peu de temps à apprivoiser le jeu, à comprendre les concepts, etc., tu peux pas te tromper, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et petit à petit, quand tu progresses, tu vas débloquer la ville. Après, tu vas débloquer le pont, après tu vas débloquer le premier bâtiment, puis après vraiment la bibliothèque. Il y a de plus en plus de possibilités simultanées. Alors je sais pas si je vois pas le micro bouger, donc je pense qu'ils t'entendent pas, Chobiti. Il y a des moments où, par exemple, au début, tu vas avoir l'impression d'être un peu coincé, mais c'est peut-être juste que t'as pas parlé à la bonne personne ou que t'as pas essayé la bonne combinaison. Donc au début, ça va peut-être être un peu frustrant pour ça, parce que justement, bah, vu que t'es pas guidé partout, t'as pas de tuto pour t'expliquer les concepts, bah, va falloir un peu tâtonner. Mais
J'ai l'impression que c'est quand même assez... Au final, une fois que les concepts sont acquis, c'est répétitif, en fait. Bah ouais, c'est ça. Une fois que t'as les concepts, tu peux vraiment progresser tranquille, quoi. Après, il y a des trucs qui sont pas simples, hein. Typiquement, le live de fin d'après-midi hier, on était un petit peu bloqué parce que on n'arrivait pas à générer des souvenirs, et c'est très important les souvenirs pour pouvoir progresser. Et du coup, bah, on a cherché un peu en off avec Shubiti, on a trouvé comment générer des souvenirs. Donc du coup, là, j'ai bien avancé sur le live ce matin. Mais c'est vraiment très chill, quoi. Faut vraiment voir ça comme un jeu totalement narratif où tu peux prendre ton temps pour lire. Tous les textes, quasiment, quand tu cliques dessus, ça te les met dans ton presse-papier, tu peux aller les copier-coller à côté, tu dois avoir ton petit carnet pour noter, tiens, tel livre, il m'a appris telle chose, etc. Donc c'est vraiment un jeu tranquille. Il faut aimer le style. Moi, j'avoue que j'ai totalement accroché. Mais c'est pas un jeu compliqué, quoi. Clairement pas. Et là, normalement, on a atteint 4 pour 4, donc on va pouvoir masteriser ce truc-là. Parfait. Alors, est-ce qu'avec mes wits, là, je pourrais pas faire quelque chose? Alors déjà, on a ouvert la nouvelle salle, normalement. Voilà, on a ouvert la nouvelle salle, j'ai entendu la petite musique. Donc, on a du thé dans cette salle. Ok, parfait. On a un projecteur, on peut mettre un film. Ok, est-ce que là, on a des films, quelque part, disponibles? Non, ça, c'est du décor. On a un jeu d'échecs. Ok, une tasse de thé, de nouveau. Un livre. Nocturnal. Ouf, je la connais pas, cette... Bon, je vais le garder, sinon je vais l'oublier dans un coin. Ok, donc peut-être qu'on trouvera des films à mettre, là. Ça a été fait dans les années 20. Comme une récompense pour les prisonniers qui sont autorisés à se reposer dans l'infirmerie. Ok. La rumeur disait que c'était un fan secret de Keaton. Pas aller à la ville. Il voulait pas aller jusqu'à la ville pour voir ses films. Ok, bon, une pièce qui va pas nous aider tout de suite, hein, clairement. Donc on n'a pas de film. Tout ce qui est écrit comme ça, c'est normalement c'est censé être nécessaire. On peut pas tricher avec ça. Il n'y a pas de point d'interrogation ou juste un plus qui est juste censé... c'est quelque chose qu'on peut ajouter pour aider. Bon, du coup, on ouvrira celle-là demain. Ouais, tu passes beaucoup de temps à zoomer, à te déplacer à droite, à gauche... Quand tu cliques sur un truc, tu vois, tu sais que par exemple, tu veux quelque chose de type Winter, bah... Tu dois dézoomer pour voir tous les petits machins qui clignotent, et il y en a quand même qui sont assez petits. Donc c'est un jeu vraiment... Enfin, faut prendre le temps. C'est pas un jeu de rush, c'est pas un jeu timé comme Blood Bowl, par exemple. Donc il faut aimer le style, c'est tout. C'est du jeu de rôle narratif sans combat. Là, ici, on a réussi à masteriser ça. Alors tu vois, c'est pareil, typiquement. Là, en live, je passe très vite sur les textes. Il faudrait normalement les lire en détail, voir un peu de quoi ça parle. Et on a récupéré un beau souvenir de forge, niveau 2, mais c'est trop tard dans la journée. Et une leçon de type forge. Alors on va apprendre la leçon de type forge, mais d'abord on va cataloguer du livre. Avec nos deux souls qui restent là pour la nuit, et on apprendra la leçon de type forge pendant la nuit. Et donc ce livre-là, du coup, on l'a lu. Donc il donne Foresight. Ça, c'est intéressant, par contre. Alors je vais noter, il s'appelle comment ce livre? Vincent Mingling. Vincent Mingling. Donc il donne Foresight. Et Foresight, ça donne... Forge 2 et lanterne. Je peux courir. Forge 2 et lanterne. Voilà.
Lady, tu dis, ça te rappelle les points and click de la jeunesse en plus étoffé. Bah, c'est un peu ça, sauf que t'as pas vraiment d'énigmes ou de progression comme dans un point and click. T'es pas à la recherche de quelque chose. Mais clairement, le fait d'avoir ton inventaire, de mettre les objets dans ton inventaire, de pouvoir les combiner, etc., il y a un côté très point and click. Chercher les combinaisons, etc. Ça, c'est clair. Donc là, on va cataloguer deux livres. Il faut savoir que chaque matin, tous tes aspects de l'esprit qui sont fatigués, là, qui sont grisés, sont régénérés. Donc c'est bien de les avoir tous consommés avant, si possible. Et tous les souvenirs disparaissent aussi. C'est pour ça que c'est compliqué des fois d'en avoir suffisamment. Si tu les utilises pas dans la journée, ils disparaissent. Il faut que tu trouves un moyen de les régénérer d'une autre manière. Alors, on va lancer le catalogage de celui-là. Ah non, ça c'est un truc qui n'est quasiment jamais contaminé. Parfait. Et donc là, on a trouvé Two Wombs, One Earth. Wombs, c'est pas un mot d'argot pour parler du vagin. J'ai un doute. Ah, ça doit être les fameuses sœurs. Ça doit être en rapport avec ces plantures, du coup. Si elles ont qu'un seul cœur, j'imagine que ça doit être des de siamoises. Ouais, mais après, ça dit que elles ont été mortelles avant de devenir des Aurs. Donc peut-être qu'elles sont devenues une espèce de Ours. Alors les Ours, de Book of Ours, c'est des dieux en fait, mais c'est des dieux plutôt style grand ancien, potentiellement bizarre que les dieux classiques qu'on connaît. C'est des dieux secrets quoi. Bon, un challenge de type Earth de 8, j'y crois pas trop. Hein. Je suis même pas sûr qu'on ait des compétences de type Earth. Alors attendez, il me faut du Earth. Est-ce que j'ai un Earth quelque part? Non. Et là, il est fatigué mon Earth, donc ça ne m'aide pas. Non, j'en ai pas. Ouais, donc ça, c'est pas un truc qu'on va pouvoir faire tout de suite. On va le mettre dans la bibliothèque. Des trucs qu'on peut pas faire tout de suite. Voilà. Celui-là, c'est pour le faire demain. Et on va cataloguer le livre. Et après, on va prendre notre leçon. Ah. Hop là, excusez-moi, je me suis mute. Un petit coup de chobiti. Puis d'ailleurs, en fait, ce que je vois, c'est que l'épisode est déjà bien long, donc je pense qu'on va arrêter l'épisode de VOD là. Compréhensive guide sur le miel. Alors effectivement, on n'est pas sur un livre d'un haut niveau d'intellectualisme. On va le mettre dans un coin là, proche de ceux qu'on pourrait éventuellement faire. Et du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. En attendant, j'espère que cet épisode que vous avez regardé en VOD vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!